Bon, les nouvelles elles sont rapides, hein. J'ai serviteur de Dieu. Moi, chaque fin du mois, j'ai des soutiens que j'apporte aux serviteurs de Dieu. C'est un peu dans ma tradition. D'honorer les serviteurs de Dieu. Donc, celui qui est mort est serviteur de Dieu. Je demandais moi de payer ma dîme. Moi, je paye ma dîme. Je la paye avec les serviteurs de Dieu. Généralement, les gens pensent que comme les serviteurs de Dieu ne payent pas, moi, je paye ma dîme. La dîme, je la paye avec les serviteurs de Dieu, je la paye avec les orphelins, je la paye avec les gens de Dieu. Voilà, donc je suis là, où je suis en Jérusalem. Et comme j'ai dit, chaque fois que je serai là, je vais honorer Dieu au travers de votre vie. Donc on a un sac de riz. Va te sortir. Bonjour, ça va. Je prends le sac de riz. Ah, mais on s'occupe de lui. Sûrement qu'il faut donner beaucoup de conseils. C'est ça. Ouais, il faut leur donner conseils parce qu'après, je vais venir parler. Spécialement parce que. Faut leur donner conseils. Mais après, on va parler. Je ne sais pas là tout ça. Quand on t'aide là, il faut savoir t'aider. Qui sait t'aider, celui qui t'aide là, il doit le courage de t'aider. Serviteur de Dieu, c'est important de vous honorer. Merci. Vous me donnez quelque chose, vous ne me donnez pas quelque chose, vous avez déjà fait. C'est-à-dire le simple fait d'avoir l'idée, le cœur là. Vous avez dit non, j'ai quitté Jérusalem, je dois me retourner. Ça c'est grand. Ça c'est grand. Les gens ne savent pas. L'argent est bon. L'amour. Vous avez démontré votre amour. Comme si nous étions votre propre parent. Mais vous êtes mes vrais parents. Il y a quel parent? Jésus dit. Non, mais non, écoutez. Non, mais c'est la vérité. Vous êtes mes vrais parents. Okay. Jésus dit à ses disciples. Tes mamans, tes frères, tes chers, dis mes vrais parents. Oui, oui. Donc, vous êtes, c'est ce qui est vrai, vous êtes mes vrais c'est parents. C'est vrai, c'est vrai. Spirituellement parlant, vous êtes mes vrais parents. Oui. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Je le dis, non, pas d'autre explication. C'est pour vous montrer ce qui est dans mon cœur. C'est ça. Je suis toujours gay envers vous. Alors, donc, soyez bénis. Alors, juste, je vais poser une question. Qu'est-ce que vous pensez d'une télévision chrétienne au niveau des Européens? Bien, on va demander au pasteur. Qu'est-ce que vous pensez de la télévision? On crée une télévision qui va valoriser la musique chrétienne, mais on fallait en guerrier de la musique. On attend d'installer la télévision. En tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pensez
de Baruch Gospel TV. Mais je crois que l'évolution, quand on dit que tu es dans un hameau, puis de venir en ville, on construit, tu es dans un hangar, on te dit qu'ils ont construit une villa pour que tu puisses, n'est-ce pas, résider. Ah, c'est un chouet. C'est une bénédiction pour les chrétiens d'ailleurs. Amen. C'est la bénédiction pour les chrétiens. Si c'est spécialement pour ça là, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est un chouette pour nous. Et je vous félicite pour ce mot là d'ailleurs. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Et que cela s'accroisse. Amen. Alors nous, c'est une télévision que nous mettons pour valoriser la musique et la musique gospel. Voilà, donc... Alors, je vous annonce officiellement qu'on viendra faire un reportage chez la chorale de l'église Bethel ce dimanche. Alors, on va commencer. Donc, l'église Bethel, on va parler de comment, comment vous avez eu l'initiative de l'église, de la chorale. Alors, comment vous voyez la chorale, on va interviewer. Et quelles sont les chansons que vous chantez les dimanches et ça a quel impact quand les gens les chantent. Si c'est en caractère évangélisation, si c'est en caractère adoration. À partir de ça, nous allons vous inviter à plateau télé. Nous allons vous inviter officiellement, vous allez venir à un plateau télé et nous allons commencer à débattre de beaucoup de choses. C'est une innovation au niveau de la Guinée, mais dans le monde chrétien, c'est une innovation. Parce que nous, on veut valoriser. Le monde musical mondain a des scènes. Uh-huh. Voilà. Oui. Ils ont des musiques, ils jouent. Mais nous aussi, on doit avoir un plateau de télé pour jouer leur musique. C'est la sœur. Ça va? Tiens. C'est la sœur en Christ. Ça va bien? Hey. Tu vas tomber dans les carrières. Alors donc nous rentre, on va partir. Il faut annoncer l'évangile autrement. Il y a des stratégies, il y a des moyens d'annoncer l'évangile. Il faut changer de stratégie. Comme ça, l'évangile peut toucher tout le monde à la fois. Il y a beaucoup à faire dans le milieu chrétien. Il y a trop à faire. On voit que les gens sont trop limités. Il y a trop à faire. Et puis dans les affaires, il y a beaucoup à faire. Allez, que Dieu te fortifie, qu'il t'aide et tout ça. Nous, on va essayer de partir. Et ils travaillent, ils sont des employés, ils ont un travail. Ouais, ouais. Ils travaillent, c'est ça. Ils sont bien fonctionnaires. Il est directeur. Ouais, c'est un emploi, il est engagé. Voilà. Alors, que Dieu bénisse et puis. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà. On sera dimanche. Merci. Soyez bénis. Chauffeur, merci. Ouais. Merci, merci. Et du courage. Ok. Ok. Merci. Hein. Mais vous avez ma dimanche. Mais ça, non, c'est vrai. Mais c'est bon.